Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin. C'est donc à toi que je confie ce dépôt sacré. Les pensées de mon père, Marcus Aurelius. Que personne ne puisse les détruire. Car cette œuvre, c'est le cœur de Rome. Que je suis se réduit à ceci, la chair, le souffle, le guide intérieur. Méprise la chair, elle n'est que de la boue et du sang, des os et un fin réseau de nerfs, de veines et d'artères. Ton souffle est du vent sans cesse changeant. Reste donc le guide intérieur. Pense-y, ne permets pas qu'il demeure esclave, qu'il obéisse comme une marionnette aux instincts égoïstes. Et aujourd'hui, c'est Christelle Veillard, maître de conférence en philosophie ancienne à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, qui vient vous livrer le secret des pensées de Marc Aurèle, ou quand le fondement du stoïcisme le plus rigoureux rencontre la forme du journal intime. Bonjour Christelle Veillard. Bonjour. Le matin, quand tu as de la peine à te lever, voici la réflexion que tu dois avoir présente à l'esprit. Je me lève pour faire mon œuvre d'homme. Je vais remplir les devoirs pour lesquels je suis né et j'ai été envoyé en ce monde. Pourquoi donc faire tant de difficultés? Ai-je été créé pour rester ainsi, chaudement, sous des couvertures? Mais cela me fait plus de plaisir. Es-tu donc né pour le plaisir uniquement? N'est-ce pas au contraire pour toujours travailler et toujours agir? Ne vois-tu pas que les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles concourent chacune dans leur ordre à l'ordre universel? Et toi, tu refuserais d'accomplir tes fonctions d'homme? Tu ne t'élancerais pas avec ardeur à ce qui est si conforme à ta nature? Mais diras-tu, il faut bien que je me repose. D'accord, le repos est nécessaire. Mais la nature a mis aussi des bornes à ce besoin, comme elle en a mis au besoin de manger, de boire. En cela pourtant, tu vas au-delà des bornes et tu dépasses ce qu'il te faut. Au contraire, quand tu agis, tu n'en fais pas autant. Et tu restes en deçà de ce que tu pourrais faire. Cette négligence tient à ce que tu ne t'aimes pas sérieusement toi-même, car autrement, tu aimerais ta nature. Cette négligence, Marc Aurèle entend par la négligence la difficulté qu'un homme peut avoir à se tirer hors de son lit, Christelle Veillard, tient à ce que tu ne t'aimes pas sérieusement toi-même, car autrement tu aimerais ta nature. Comment conclut-il de la difficulté de se lever le matin à l'impossibilité, la difficulté de s'aimer soi-même? Alors ça, c'est un très très beau texte de Marc Aurèle que j'utilise beaucoup sur mes étudiants, voyez-vous, pour les réveiller, vos étudiants, oui. Pour les inciter justement à exercer leur partie rationnelle, puisque ce que veut nous dire par là Marc Aurèle, c'est que lorsque l'on est chaudement dans son lit, en train de rêvasser à des choses inessentielles, effectivement, on ne s'aime pas soi-même puisqu'on cultive d'une certaine façon sa partie corporelle ou sa partie sensible, son imagination un peu fantasque, tandis que un homme, c'est d'abord une raison
Et c'est une raison qui va s'exercer sur des objets sérieux, qu'il s'agisse de la vérité ou bien de la pratique de la moralité. Donc il faut s'efforcer d'être cohérent avec soi-même d'une certaine façon et s'identifier à la partie qui est la meilleure en nous, c'est-à-dire la rationalité. Et cette rationalité peut se déployer de deux façons, d'une façon théorique, donc pour comprendre les choses et aboutir à la vérité, ou d'une façon pratique, et donc à ce moment-là, exercer ses vertus et déployer donc des actions bonnes, vertueuses, envers les autres hommes. Ce qui est étonnant dans ce texte-là, dans la mise en scène que propose Marc Aurèle dans cette pensée pour lui-même, c'est qu'il est question d'amour. Il ne dit pas simplement l'homme est rationnel. Il dit il faut que tu si tu ne te lèves pas, c'est que tu ne t'aimes pas sérieusement toi-même. Oui, alors c'est effectivement une manière un petit peu contournée de dire les choses, c'est-à-dire qu'il faut avoir un attachement ou une adhésion profonde à notre définition. Et l'objectif des pensées, c'est d'essayer de renforcer justement cet attachement qui devrait être presque automatique, mais dont on voit tout de suite qu'il ne l'est pas. Donc on est comme décroché, soit par rapport à soi, ou dédoublé entre un soi qui devrait accomplir certaines fonctions, et puis un soi qui renâcle et qui finalement refuse d'aimer ou d'assentir à cette partie rationnelle-là. Donc il y a l'idée qu'il faut s'efforcer de... Alors ça ne veut pas dire qu'on va renier l'autre partie, hein, mais simplement c'est la partie la plus importante, ou celle qui nous définit par essence, qu'il faut privilégier et l'empêcher finalement d'être assoupi ou ensommeillé par cette pratique quotidienne que nous pourrions avoir et qui pourrait faire que nous finalement nous oublions ce pourquoi nous sommes faits. Puisque l'objectif de Marc Aurèle va être aussi de dire si tu étais né pour rester dans ton lit et pour manger, à ce moment-là, tu n'aurais pas été un homme, mais tu serais un bœuf ou un écureuil ou je ne sais quoi. Un animal en tout cas. Mais on note aussi que chez Marc Aurèle, vous parlez de pratiques quotidiennes. Et effectivement, ces pensées peuvent se lire, je disais, comme un journal intime, mais aussi comme une forme de litanie répétitive hein, qui invite à agir de telle ou telle façon. Ça veut dire que pour se réconcilier ou accepter ce de quoi notre nature, ce de quoi nous sommes faits, ça passe pas simplement par la connaissance théorique, c'est pas simplement le connais-toi toi-même en tant qu'homme dans la nature, c'est aussi agis en tant qu'homme. Alors oui, et c'est surtout l'idée que savoir ce que nous sommes ne suffit pas à devenir tel que nous voudrions être, ou en tout cas connaître notre définition exacte, c'est-à-dire je suis une rationalité qui doit donc connaître et agir moralement, ça ne suffit pas à agir de cette façon-là, automatiquement. Et les pensées sont justement le moyen d'essayer ou de s'exercer à accomplir toutes ces fonctions-là, qui nécessitent donc par-dessus la connaissance théorique, toute une pratique. Et c'est justement l'idée que l'âme est comme un muscle, et que c'est un muscle qui doit intégrer en elle-même des principes théoriques, et ces principes théoriques ne vont avoir une efficacité pratique que si l'âme les a véritablement intégrées à elle-même, comme lorsque l'on digère un aliment, ça c'est une métaphore qui est présente dans le texte, c'est-à-dire on a véritablement fait sien les principes théoriques, et à ce moment-là, ils peuvent devenir efficaces. Donc les comprendre comme une simple démonstration mathématique, par exemple, ça n'est pas la même chose que les avoir intégrées et les avoir fait sien, de sorte qu'ils deviennent efficaces en nous. Un mot sur la nature du texte quand même, c'est penser pour moi-même de Marc Aurèle, à la différence du manuel d'Épictète dont on a vu mardi dernier qu'il avait été, qui était le résultat d'une retranscription sans doute de ses cours par son élève Arien. Marc Aurèle,
ici, écrit véritablement pour lui-même. Donc, ces exercices s'adressent à lui-même. Alors, oui, on a retrouvé donc ce qui sont des notes, finalement, et ce qui peut apparaître comme un ensemble assez dispersé et assez confus. Donc, certaines parties ne sont pas très ordonnées ni très lisibles. D'autres parties, par contre, sont beaucoup plus travaillées et beaucoup plus lissées du point de vue du style. On s'est du coup demandé qu'est-ce que c'était que cet objet-là devant nous. Et on a conclu que cet objet n'était pas destiné à publication, mais que c'était des notes pour soi-même, pour travailler sur soi-même, et ce qui explique un peu le caractère quelquefois codé de certaines pensées, puisque Marc Aurèle n'a pas besoin de s'expliquer à lui-même ce à quoi il pense intuitivement. Ce seraient des notes qu'il a écrites pendant qu'il était empereur lui-même. Alors, on suppose effectivement qu'il écrit ses notes quotidiennement, peut-être à la fin de chaque journée, puisqu'il indique dans le texte lui-même qu'il faut pratiquer cet exercice de manière quotidienne, de manière répétée, et sans doute il écrivait aussi, enfin l'écriture elle-même faisait partie de l'exercice, c'est-à-dire intégrer les principes théoriques nécessite de les répéter et de les graver par l'écriture en son âme. Et finalement, alors quand vous dites que c'est un journal intime, ça n'est pas justement, ça n'est pas l'épanchement d'une âme qui va raconter sa journée. C'est vraiment tout autre chose dont il s'agit. C'est faire le point sur ce que nous avons fait dans la journée et constater l'écart entre ce qui a été réalisé et ce que éventuellement nous aurions pu faire si nous avions suivi les principes stoïcien, et retravailler par l'écriture sur les dogmes eux-mêmes qui manifestement ont été inefficaces à jouer leur rôle pendant cette journée-là. Donc c'est quelque chose c'est qui mesurer le chemin qui reste à parcourir pour atteindre les normes stoïciennes. En quelque sorte. Ce qui est parfois un peu peut-être désespérant, et d'ailleurs le texte de Marc Aurèle a une tonalité très sombre, très pessimiste par rapport au manuel d'Épictète notamment. Oui, exactement. Il y a une espèce de pessimisme ou de noirceur à l'intérieur des pensées, mais pas seulement. Il y a aussi des passages qui sont lumineux et qui indiquent que Marc Aurèle entendait vivre dans la joie et dans l'amour des autres. Donc, mais il est vrai que il y a beaucoup de passages où il s'exaspère à la fois de lui-même et de ses contemporains. Souvent, quand on parle donc de méditation sur la mort, on considère cela comme quelque chose de morbide, mais en fait, ça n'a rien en soi de morbide, c'est même tout à fait naturel. Enfin, je pense que c'est évidemment la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Et alors, je pense donc que ces exercices spirituels de préparation à la mort, si on peut dire, peuvent avoir un sens. C'est plutôt, justement, que c'est un exercice de la vie, c'est-à-dire que ce qui est très frappant dans Marc Aurèle, c'est cette idée que si vous vivez en pensant que cette journée sera la dernière, vous aurez une toute autre attitude vis-à-vis de tout ce que vous ferez. Encore un instant, et tu ne seras plus que poussière. Un squelette, un nom, et bientôt pas même un nom, car la renommée n'est qu'un bruit et un écho qui s'évanouit. Toutes les choses qu'on recherche si ardemment dans la vie sont bien vides, bien corrompues, bien mesquines. Roquets qui se mordent, enfants qui se querellent sans cesse, riant un instant pour pleurer l'instant d'après. La bonne foi et la pudeur, la justice et la vérité remontant vers l'Olympe ont déserté la terre. Quel motif peut donc encore te retenir ici-bas? Ne vois-tu pas que les objets que nos sens perçoivent sont dans un changement continuel qui ne s'arrête jamais? Que nos sens n'ont que des perceptions obscures, sujettes à mille erreurs, que le souffle qui nous anime n'est qu'une vapeur de notre sang, et que la gloire qu'on recherche auprès d'êtres si fragiles n'est qu'une fumée vaine. Qu'est-ce donc tout cela? Tu te résignes à attendre l'heure où tu devras t'éteindre ou te transformer, mais jusqu'à ce moment qu'on doit subir, que te faut-il? Une seule chose et rien de plus. Honorer et bénir les dieux, faire du bien aux hommes et les supporter ou t'en éloigner.
Christelle Veillard, dans ses pensées 33 et 34 du livre 5 des pensées de Marc Aurèle, on entend la transition que vous évoquiez d'un pessimisme qui semble assez sourd, assez fort, vers, alors peut-être pas de la joie, n'allons pas si vite, mais en tout cas un appel à faire du bien aux hommes, soit les supporter, soit s'en éloigner, comme si se trouver dans le lien de soi avec les autres hommes, une possibilité peut-être de faire le bien et donc d'être heureux. Alors, faire le bien, sans doute. Être heureux, en revanche, ne dépend jamais que de soi-même, puisque le bonheur dépend finalement de l'exercice des vertus. C'est ça. Mais faire le bien, c'est être vertueux, non ? Alors, oui, on peut faire le bien, on peut faire le bien dans toutes les circonstances possibles. Et que notre action soit, puisque Marc Aurèle est empereur, que notre action soit politiquement réussie ou pas, c'est-à-dire que la vie des gens soit véritablement améliorée ou pas, c'est quelque chose qui peut se déterminer d'un point de vue pratique, mais qui ne va pas retentir sur le fait que je me sente heureux ou pas, puisque le bonheur, c'est l'exercice de ma vertu propre ou la qualité de mon âme intérieure, indépendamment donc de ce qui peut se produire à l'extérieur. Mais effectivement, le bonheur passe par l'exercice des vertus et donc passe par le rapport aux autres. Et effectivement, il faut adopter une attitude compliquée à adopter, puisque nous sommes portés vers les autres hommes comme nos semblables, nous sommes responsables d'eux, nous devons les éclairer ou leur indiquer finalement quelles sont les valeurs qu'ils devraient porter. Et en même temps, nous devons nous résoudre à ne pas avoir un pouvoir total sur ces personnes-là et à nous désengager si jamais ils ne sont pas réceptifs à nos principes. Nous devons nous désengager de tout rapport avec eux, puisque, en tout cas, pour ne pas tomber nous-mêmes dans la colère ou pour ne pas risquer de trahir nos principes. Donc il y a une difficulté à se rapprocher de l'autre pour l'éclairer, pour l'instruire, sans se fâcher, dit Marc Aurèle, même lorsque l'autre est vraiment très abruti, je vais m'efforcer de l'instruire sans me fâcher, et si jamais l'autre continue à résister à tous mes efforts, à ce moment-là, je dois me mettre à l'écart. On voit l'écart justement avec la morale chrétienne qui demanderait de faire du bien aux autres, au nom du bien. Ici, c'est pas le nom du bien qui importe, c'est soi-même en réalité. Donc, vaut mieux se détacher de quelqu'un qui va me mettre dans un état que je devrais fuir. Tout à fait. Il faut toujours porter en soi-même le bien et donc éviter toute configuration où cette qualité intérieure pourrait être mise en danger, effectivement. Mais c'est quand même étonnant de voir la façon dont lui-même s'insère au sein des autres hommes, puisque, on l'a dit, il est empereur, sans doute, au moment où il écrit ses textes, mais il se considère, enfin, je ne sais pas s'il se considère, mais en tout cas, il respecte de manière très, très précise les dogmes stoïciens. Donc, il est à la fois philosophe et empereur, ce qui sont quand même deux modalités très différentes du rapport aux autres. Oui, en effet, il a eu beaucoup de difficultés à concilier ces deux postures, puisque la posture de philosophe implique justement de continuer à faire de la philosophie et d'écrire, de lire, d'écrire, etc., ce qui soustrait du temps au temps politique. Et c'est ce qui lui a été reproché quelquefois. Et puis, par ailleurs, sa posture d'empereur lui imposerait quelquefois de trahir ses principes stoïciens, en particulier des principes de clémence ou de bienveillance face à des individus qui pourraient l'avoir trahi et envers qui il se montre justement trop gentil. Hein, on lui reprochera d'être mou parce que justement il se refuse à punir de manière violente ou physique des individus qui auraient pu le trahir. Il faut dire aussi qu'il passe son temps en guerre pendant pratiquement toutes les années de son règne. Oui, ça c'est quelque chose qui effectivement ne coïncide pas très bien avec son objectif de sérénité et de tranquillité, et puis de répandre. Vous avez raison de dire qu'il est conforme au principe stoïcien. Et le principe stoïcien de base, c'est quand même l'idée que nous sommes, nous les hommes, une partie d'un tout, que nous sommes responsables
du bon fonctionnement de ce tout et que l'humanité forme une grande famille qui doit s'ordonner au sein d'une cité cosmopolitique dont éventuellement il pourrait infléchir les principes en tant qu'empereur. Ce qu'il exprime à travers l'image du rameau. Écoutez, nous sommes au paragraphe 8 du livre 11. Un rameau qui est détaché du rameau voisin ne peut pas ne pas être détaché de l'arbre tout entier. Tel est l'homme qui, en se séparant d'un seul autre homme, s'est détaché en même temps de la communauté entière. C'est une main étrangère qui coupe la branche, tandis que c'est l'homme qui se sépare lui-même de son prochain, qu'il déteste et qu'il fuit, sans se douter que, du même coup, il se retranche lui-même de toute la cité. Cependant, Jupiter, qui a constitué l'association des hommes entre eux, nous a octroyé ce précieux don, à savoir que nous pouvons nous rattacher de nouveau à notre voisin et redevenir encore une partie intégrante de l'ensemble. Mais si cette séparation se répète souvent, elle rend pour le membre qui s'était isolé la réunion plus difficile ainsi que la réconciliation. Le rameau, qui dès l'origine a grandi avec le reste de l'arbre et qui a toujours reçu la même sève, ne ressemble en rien à celui qui, après un premier retranchement, a été regreffé dans le tronc. Et c'est là ce que les jardiniers savent bien. On est donc tenu de pousser tous ensemble, si ce n'est de penser tous de la même façon. Là encore, on y entend une différence sans doute avec le stoïcisme ancien qu'il connaît très bien par ailleurs. C'est que on avait vu lundi dernier à quel point un des enjeux du stoïcisme est de définir la place de l'homme dans la nature, sachant que l'un et l'autre sont traversés par le même logos, ce qui les unit, et qu'il s'agit donc de consentir, de donner son assentiment à cette nécessité qui me traverse. Ici, il s'agit de la place de l'homme dans la société, ce qui est quand même différent, Christelle Veillard. Alors, c'est à la fois la place de l'homme dans la société, mais cette place ne peut se concevoir que éclairée par la place que nous occupons dans le cosmos, d'une certaine façon. Et effectivement, à l'intérieur de la société comme à l'intérieur du monde, nous avons des responsabilités, que ce soit donc envers les autres animaux, même envers les plantes, ou bien que ce soit envers nos semblables, nos parents, nos frères, nos enfants et nos concitoyens, bien sûr. Donc l'idée, c'est que se considérer comme étant un individu isolé, comme un atome qui pourrait décider d'action de manière complètement libre, déliée de tout autre référentiel, ça c'est une erreur, c'est à la fois une faute pratique, on va dire, et c'est aussi une erreur épistémologique, puisque ça ne correspond pas à ce que nous sommes par essence. Par essence, nous sommes placés dans un monde comme une partie d'un tout. Mais ça marche à l'échelle individuelle, mais comment justifie-t-il ce lien de l'homme à la société de manière aussi organique? Il prend l'exemple quand même du rameau qui est détaché d'un rameau voisin, mais qui peut pas être détaché de l'arbre. Alors, la communauté des hommes s'entend par le fait que nous avons une communauté de nature, c'est-à-dire le partage de la rationalité. Les hommes sont les seuls avec les dieux à être des êtres rationnels et en tant que tels, ils sont capables d'assentir d'une manière particulière à l'ensemble des choses ou à l'ordre des choses parce qu'ils peuvent d'abord le comprendre, justement par cette faculté rationnelle. Ils peuvent le comprendre, ils peuvent y assentir de manière volontaire et ils peuvent y participer aussi de manière volontaire. Donc, les hommes constituent une communauté rationnelle qui comprend que le monde est coordonné ou gouverné par des lois, qui sont des lois universelles, et en particulier par l'idée qu'il existe un bien qu'il va falloir mettre en place ou défendre. Et ces lois ne sont pas du tout divines, en l'occurrence, ce ne sont pas les dieux qui régissent la vie humaine. Alors, elles sont divines puisqu'elles... Comment comprendre-nous ce rôle au dieu, au pluriel? Alors, elles sont divines puisque la loi n'est jamais que l'expression du logos divin qui a ordonné le monde et donc qui en explique la formation et aussi la finalité. Mais il est vrai de dire que il ne faut pas le comprendre comme une volonté personnalisée d'une entité divine qui aurait justement décidé, comme nous pourrions décider de certaines choses, qu'il existe. C'est-à-dire, finalement, la loi divine, c'est l'ordre du monde et la cohérence de relations qui existent entre les êtres du monde.
Donc elle est divine puisqu'elle est fabriquée par le pneuma divin, disons. Mais elle ne s'entend pas comme... il ne faut pas s'y rapporter comme à une entité autonome ou volontaire. C'est aujourd'hui de Marc Aurèle que nous parlons en compagnie de la philosophe Christelle Veillard, qui est maître de conférences en philosophie ancienne à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, à qui l'on doit notamment un ouvrage consacré aux stoïciens, publié aux éditions Les Belles Lettres. Personne ne veut mourir, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne. On va se chercher de lointaines retraites dans les champs, sur le bord de la mer, dans les montagnes. Et toi-même aussi, tu ne laisses pas que de satisfaire volontiers les mêmes désirs. Mais que tout ce soin est singulier, puisque tu peux toujours, quand tu le veux, à ton heure, trouver un asile en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne peut goûter une retraite plus sereine ni moins troublée que celle qu'il porte au-dedans de son âme. Surtout quand on rencontre en soi ces ressources sur lesquelles il suffit de s'appuyer un instant, pour qu'aussitôt on se sente dans la parfaite quiétude. Et par là, quiétude, je n'entends pas autre chose qu'une entière soumission à la règle et à la loi. Pour essayer de cerner les fondements du stoïcisme, notamment tels qu'ils sont énoncés chez Marc Aurèle, la comparaison avec la morale chrétienne à laquelle nous sommes habitués fonctionne bien, Christelle Veillard. Et l'extrait qu'on entendait avant du tout nouveau testament, le film de Jaco van der Meulde de 2014, on entendait ce dieu, interprété par Benoît Poelvoorde, extrêmement cruel, qui se moquait de celui qui l'aurait créé en disant « ben voilà, tu as eu une vie catastrophique, et ben j'en suis responsable et ça me fait bien plaisir », s'oppose en tout point à l'homme stoïcien qui, lui, est responsable en partie, même si c'est compliqué, du rapport qu'il va avoir à lui-même, à savoir de son bonheur ou de son malheur. Trouve un asile en toi-même, c'est ce qu'écrit Marc Aurèle dans le livre 4, chapitre 3, ce qu'on vient d'entendre. Trouve un asile en toi-même, c'est ce que Pierre Hadot appelait la citadelle intérieure, et ça veut dire, eh bien, fais en sorte que ce qui t'arrive va vraiment dépendre de toi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas dans le monde stoïcien un dieu vindicatif qui va m'imposer des malheurs et qui va me poursuivre de sa vengeance. Le dieu stoïcien, effectivement, est un principe d'ordre et d'organisation dont il suffit de connaître la loi et la règle, c'est ce qui était dit à la fin de ce texte. Il faut se soumettre à la règle et à la loi, c'est-à-dire finalement à l'ordre du monde et à l'harmonie qui est interne au monde. Donc se régler sur cette harmonie, c'est exercer sa rationalité de manière aussi harmonieuse et comprendre finalement que la seule chose qui est importante, ça n'est pas tous les événements ou toutes les choses que je pourrais posséder ou même tous les événements qui pourraient m'arriver, perdre un parent comme dans l'extrait, avoir un corps plus ou moins difforme. Toutes ces choses-là ne sont pas essentielles. Ce qui est essentiel, c'est ce que je suis moi, c'est-à-dire ma partie rationnelle ou ma faculté de juger. Et à ce moment-là, effectivement, il suffit de se retirer en soi-même, comme le dit Marc Aurèle, comme sur un promontoire rocheux ou comme dans une sorte de citadelle intérieure, c'est-à-dire une citadelle qui, autour de laquelle on aurait formé des remparts, les remparts de la rationalité, pour dénier toute valeur à tout événement extérieur qui pourrait venir fragiliser cet équilibre intérieur. Ce qui implique quand même que lorsque l'homme est seul, il est en paix. Alors ça va pas de soi. Alors il ne suffit pas d'être, malheureusement, il ne suffit pas d'être seul pour être en paix, puisqu'on peut être torturé de l'intérieur. C'est ça. Et c'est justement le problème que Marc Aurèle rencontre, et c'est ce qu'on voit dans les pensées. Souvent il se fâche contre lui-même parce qu'il n'arrive pas à être cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que ses actions ou ses pensées ne sont pas cohérentes avec ses principes, ce qu'il voudrait faire de lui-même. Et d'ailleurs, on l'entend très bien quand on lit les pensées. C'est comme s'il y avait deux voix. Il y a une voix qui parle, qui essaye d'énoncer ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire, et une autre voix qui exprime, peut-être qui est davantage de l'ordre des sentiments, qui va dire parfois son désespoir de ne pas réussir à faire ce qu'il s'était fixé comme programme. Et on a comme une division interne quand même.
Oui, tout à fait. On peut concevoir les pensées comme un dialogue, c'est ce que disait Pierre Hadot, comme un dialogue entre le moi rationnel et puis ce qu'on pourrait appeler finalement le moi mondain, c'est-à-dire une personnalité qui est effectivement moi, mais qui n'est pas essentielle au sens où elle ne change rien à ce que je suis à l'intérieur de moi. Par exemple, alors c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à comprendre finalement, puisque cela reviendrait à dire que je sois empereur ou que je sois esclave, que je sois père ou que je ne sois pas père, que je sois dans tel ou tel pays ou dans tel autre, tous ces éléments-là, dont nous serions tentés de dire qu'ils nous définissent, quelque part, tous ces éléments-là ne sont pas vraiment moi. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le moi mondain, ça. Et tout ça est inessentiel, il faut revenir à ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la seule chose sur laquelle j'ai un contrôle total, à savoir ce que je pense, les valeurs que je porte et la manière dont je les exprime au monde. On entend cette discussion au cours d'un monologue de Marc Aurèle où il fait les questions et les réponses lui-même, un dédoublement emblématique, on l'a dit, des pensées pour lui-même dans un extrait du film La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, 1964. Écoutez, on y entend aussi l'obsession de la mort qui semble le préoccuper en permanence. Es-tu homme à savourer l'ironie, Marcus Aurelius ? Eh bien alors, regarde où en est réduit l'empereur de Rome. Tu ne vaux guère plus qu'un esclave. Et qui est ton maître ? Une petite blessure à ton flanc, pas plus large peut-être qu'un grain de blé. À quoi te sert ta sagesse maintenant ? J'ignore la réponse. Pourquoi ? Dans tous nos entretiens, est-ce que seule la mort échappait à nos pensées ? Tu pressentais sans doute que ta sagesse serait impuissante devant ce suprême mystère. Dès lors que tu admets cela, toute connaissance, toute science devient vaine et sans objet. Mais alors, tu n'aurais jamais pensé, ni lu, ni parlé, tu ne te serais jamais interrogé. C'est peut-être mieux ainsi. Car si les hommes cessent de penser, de lire, de parler entre eux, ils cessent d'être des hommes. Oh ! Il vient me chercher. Le nocher silencieux qui me fera traverser dans sa barque le fleuve des ombres. Je ne suis pas prêt à te suivre. J'ai toujours essayé de négocier avec mes ennemis. Ne pouvons-nous faire un pacte ? Tout ce que je sollicite de toi, c'est un délai de 2 ans. 1 an ! Quelle pensée triviale et stupide. Et pourtant, c'est moi qui ai dit. N'est-il pas dans la nature du figuier de donner des figues, dans celle de l'abeille de donner du miel ? Il est dans l'ordre des choses que tu viennes me chercher. Viens me prendre quand tu voudras. Ma main nous guidera. Est-il rien de plus méprisable que de sortir sans cesse de soi-même pour parcourir tout le cercle des choses, pour sonder toutes les profondeurs, comme dit le poète, pour pénétrer à force de conjectures ce qui se passe dans l'âme du prochain, et de ne pas sentir que tout ce qu'il nous faut au monde, c'est de ne penser qu'au seul génie que nous portons en nous et de le servir en toute sincérité. La clé de ce dédoublement, Christelle Veillard, est-elle à identifier, à situer au sein de ce que Marc Aurèle appelle, dans sa traduction en tout cas, le génie que nous portons en nous, qui est une traduction du terme grec « daimon ». Alors, je ne sais pas si c'est la clé, mais en tout cas, c'est une possibilité de compréhension. Ce que Marc Aurèle appelle le « daimon », c'est ce qu'on peut traduire par « génie intérieur », effectivement. S'identifie dans la plupart de ses textes à la partie maîtresse de l'âme, l'hégémonique, c'est-à-dire la rationalité qui va contrôler toutes les représentations de l'âme, tous les jugements.
Et ce terme de daimon a une longue histoire, puisque Socrate parle déjà de son daimon, mais en le comprenant plus comme une sorte de petite divinité qui va le prévenir à l'avance, soit de ce qu'il ne doit pas faire, soit de ce qu'il devrait faire. Donc c'est effectivement... Une sorte de Jiminy Cricket inversé. Un peu. Le terme est repris par Platon, pour désigner justement la partie rationnelle de l'âme, la partie la meilleure en nous, le génie intérieur, et ensuite par les autres stoïciens pour désigner justement cette partie supérieure. Donc chez les stoïciens, on ne peut pas vraiment dire que ça correspond à le petit ange ou le petit démon en nous. Hein. C'est identifié plutôt à la rationalité, donc normalement à l'entité qui en nous est la plus autonome par rapport aux événements du monde. Et pourquoi le traduit-on par génie ? Parce que le génie, en tout cas tel qu'on l'entend aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce que vous décrivez. Alors parce que le terme daimon, c'est le petit démon, non, oui, initialement. C'est ça, on voudrait dire démon. Donc ce sont des entités divines de type inférieur, chez Platon par exemple. Et alors on a du mal quand même à traduire démon, parce qu'il y a quand même une connotation très négative maintenant de ce terme. Donc on a choisi plutôt de revenir à l'idée d'entité divine, plus ou moins neutre, donc souvent on traduit par génie intérieur. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que lorsque le moi s'isole au sein de sa citadelle intérieure, il n'est donc pas forcément seul, en tout cas il est dans un rapport de dédoublement à lui-même. Est-ce que ça veut dire qu'il faut essayer, il faudrait tendre à une unité, à un rapport, disons, pacifié entre ces deux éléments, ou est-ce qu'il faut juste accepter qu'il y ait toujours ce dédoublement ? Alors, je crois que l'objectif de Marc Aurèle dans ses pensées, c'est de supprimer ce dédoublement entre le moi rationnel et le moi mondain, et de s'identifier uniquement au moi rationnel, c'est-à-dire à la partie hégémonique, c'est-à-dire éventuellement à ce que l'on peut appeler le génie intérieur. Donc devenir une faculté de juger complètement pure, d'une certaine façon, abstraite de tous les référentiels mondains qui pourraient le perturber, et de toutes les fausses valeurs qui pourraient venir perturber ses jugements. Autrement dit, l'idée des stoïciens, c'est de considérer que le seul bien, c'est la vertu, c'est-à-dire une disposition intérieure droite, et tout le reste ne sont que des choses indifférentes. Donc que je possède des biens, que je sois pauvre, que je sois malade ou en bonne santé, tout cela est indifférent, mais vient perturber mes jugements lorsque justement j'ai à faire des actions. C'est la question des représentations adéquates. Il faut arriver à se représenter ce qui m'arrive selon un bon jugement pour ne pas en pâtir. Alors exactement, il faut maîtriser ces représentations, ça c'est ce que Marc Aurèle a appris d'Épictète, et parvenir à neutraliser une valeur éventuellement négative de ces représentations. Par exemple, il y a de la tempête, que s'est-il passé ? Simplement du bruit, du vent et de l'eau. Le jugement de valeur qui s'ajoute et qui vient perturber finalement toute appréciation, c'est « j'ai peur parce que j'ai peur de mourir ». Et si l'on comprend que la mort n'est pas un mal, puisqu'elle n'est jamais qu'une dispersion tout à fait naturelle, qui est le lot de tous les êtres vivants, hein, je suis vivant donc je vais mourir, ça c'est attaché à l'essence même de l'être vivant. Si je comprends cela, que la mort n'est que dispersion et qu'elle n'est pas un mal, alors je parviens à neutraliser le pouvoir négatif de ma représentation de la tempête. Et pourtant, le fait d'avoir peur, de craindre la mort, est proprement humain. Puisqu'on pourrait dire, pour être un homme, il faut se servir, c'est le texte qui a ouvert cette émission, de sa faculté rationnelle et être en accord avec sa propre nature. Vous avez dit en quel sens finalement l'exercice même de la philosophie devait nous conduire à cette hégémonie de la partie rationnelle de notre âme. Et pourtant, encore une fois, les passions nous caractérisent autant que la raison. Les animaux n'ont pas peur de la mort. Alors, c'est la raison pour laquelle les stoïciens ont inventé une terminologie assez fine pour décrire tous les êtres du monde. Et ils disent que, effectivement, la nature nous donne des indications fiables de ce que nous devons poursuivre et de ce que nous devons éviter. Et
en particulier, donc la mort ferait partie, selon leur terminologie, des indifférents non préférables. Mais ça n'entre pas dans la catégorie du mal, puisque la définition même du mal, c'est ce qui nuit toujours. La définition du bien, c'est ce qui est toujours utile. Ah, il y a quand même un bien et un mal absolu, enfin normatif chez les stoïciens. Tout à fait. D'accord. Voilà. Donc ce serait quoi alors? Qu'est-ce qui nuit toujours? Alors, ce qui nuit toujours, c'est le vice. Le vice. Ce qui porte toujours avantage, ce qui est toujours utile, c'est la vertu, c'est-à-dire une disposition harmonieuse intérieure. Et tout le reste est défini comme indifférent, c'est-à-dire ce qui peut porter avantage ou ce qui peut être utile ou nuisible, selon les circonstances, selon la manière dont on en use. Et la mort, elle entre dans cette catégorie, puisque elle peut être utile, la mort de Caton, hein, qui fait exemple, elle est utile à la totalité des générations qui le suivent. Et par contre, on peut aussi dire qu'elle peut être nuisible dans le cas où elle supprime un être qui aurait accompli des choses favorables pour la cité. Donc comme elle a cette double potentialité d'être utile ou d'être nuisible, elle ne peut rentrer que dans la catégorie des indifférents. Donc la mort va entrer dans la catégorie des indifférents non préférables, selon ce que nous indique la nature. Donc la gymnastique intellectuelle qu'il faut réaliser lorsque l'on est stoïcien, c'est effectivement prendre en compte ces indications de la nature, mais toujours se rappeler que les valeurs qui sont absolues sont le bien et le mal, c'est-à-dire la vertu et le vice. Mais sommes-nous tous égaux dans la pratique de la vertu et dans ces exercices spirituels? Certaines personnes vont naître, et là je parle vraiment à la naissance, hein, pour une question plus de caractère que de nature, avec peut-être, disons, moins aidées pour parvenir à ce stade ultime, idéal, qu'est le sage en fait. Alors les anciens stoïciens étaient très très optimistes et avaient posé presque comme un postulat que nous avons tous un égal accès à la vertu, puisque nous avons tous une égale part de rationalité ou de raison, la possibilité d'exercer notre raison. Ensuite, donc, certains stoïciens intermédiaires sont revenus un peu sur cette idée en disant que bon, nous n'étions pas tous capables quand même d'exercer toutes les vertus ou d'avoir tous les mêmes capacités. Pour ce qui est de Marc Aurèle, il ne se prononce pas véritablement d'un point de vue théorique sur le problème, mais il constate en tout cas que certains individus, même après les avoir beaucoup instruits et après avoir fait beaucoup d'efforts pour les réformer, sont en dehors de toute réforme possible. Mais ce qui pose problème, c'est que ça veut dire que certains seraient comme en dehors de cette nature humaine qui nous relie tous. Alors oui, c'est pourquoi il nous donne une réponse assez claire. Il faut que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour les remettre dans le droit chemin et pour les ramener dans la véritable définition de ce que c'est qu'un homme. Mais si jamais tu n'y parviens pas, eh bien, il faut t'éloigner ou t'écarter de ces individus fâcheux. Parce que là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, privilégier finalement son bien-être, sa sérénité sur le bien commun. Mais c'est vrai que théoriquement, ça peut poser un problème quant à l'universalité de la nature humaine. Alors, disons que du point de vue de la nature humaine, on n'a pas un véritable problème, dans la mesure où on peut dire, alors vous pouvez dire que c'est un mauvais argument, mais on peut dire que celui qui est vicieux, il a exercé sa rationalité de manière tordue, de manière répétée et de manière volontaire. Ça, c'est Aristote, du coup. Oui, c'est l'habitude qui va rendre un homme vicieux. Oui. Alors, en tout cas, pour les stoïciens, effectivement, la vertu s'exprime par l'intermédiaire d'actions et elle se constitue en disposition progressivement, on pourrait dire. Et à chaque fois, d'une certaine façon, je choisis la voie que j'emprunte. Donc chacun est responsable de ce qu'il est devenu. Machine qui s'encrasse et se détraque, se calamine et souvent tombe en panne. 24 heures sur 24, mon cœur bat. Quand il tombera en panne, surtout ne t'inquiète pas, car le tien continuera de battre comme le cœur de mes frères. D'amour et de colère à travers le mien.
Oh, oh, babe. La mort est toujours proche, la mort est toujours là. J'ai le cerveau qui résonne comme une vieille cloche fêlée, oh, babe. La mort est toujours là, je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais babe, la mort est le berceau de la vie. Un grand merci à vous, Christelle Veillard, d'être venue nous parler de stoïcien aujourd'hui. Merci beaucoup. À Marc Aurèle, et de Marc Aurèle en particulier, je renvoie à l'ouvrage que vous avez consacré aux stoïciens, qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres, et puis vous avez plusieurs projets d'écriture en cours sur la transformation de l'éthique stoïcienne et sur, disons, un livre plus personnel sur le stoïcisme. On a hâte de les lire, alors bon courage à vous, et puis vous reviendrez en parler quand ils seront sortis. Merci beaucoup. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance.